Bonjour à tous, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Je me suis rendu compte, comme Seb l'a fait, et au final, bon bref, vu qu'on l'a fait tous les ans, à chaque fois, c'est pareil, blablabla. Bah j'ai pas encore fait de vidéo setup cette année, en 2020, là. Normalement j'en fais une, janvier, février, dans ces eaux-là, j'en fais une. Là je l'ai pas encore fait, on est début mars, là, au moment où je tourne la vidéo. Pas encore fait de vidéo setup, c'est pas normal. Bah voilà. C'est corrigé. Alors simplement, petit disclaimer, là, juste avant le début de la vidéo, j'en parle parce que voilà, Sem est en train de me tenir une lampe en face de moi pour me... Perchiste lumière, couramment à mi-temps. Je le paye bien, je le paye bien. Okay. Le problème, c'est qu'il a... voilà, il est un petit peu malade. Il a le coronavirus. Non, c'est une blague. Il a pas le coronavirus. C'est un bête rhume, bête et méchant, là. Fais gaffe parce que YouTube, il y a des gens qui étaient démonétisés la vidéo parce que tu disais coronavirus dedans. Hein. De toute façon, je suis pas monétisé, alors qu'est-ce qui se passe? Enfin, je le suis, mais je touche rien parce que... Je fais pas de vue. Non, voilà, il est juste un peu voilà, encombré du nez, tout ça. Enfin, donc, il est susceptible de faire... comme ça pendant toute la vidéo, mais... Bien, allez, on démarre cette vidéo setup avec, en tout premier, bah, ce qui me sert principalement pour faire mes vidéos, hein. Sans ça, il n'y a pas possibilité de faire une vidéo, et bah c'est tout bêtement l'appareil photo. Ouais, bah oui, c'est l'appareil photo, mec. Et je l'ai attendu longtemps, c'est le Panasonic Lumix FZ1000, là. Qui est là, en face de moi, là. Il est en train de me filmer. Donc, le Panasonic Lumix FZ1000, pour quelques petites spécifications que je peux vous donner. Capteur 1 pouce, zoom optique 16x, plus un zoom numérique, je sais plus combien. Ouais, j'ai une fiche, hein, c'est une anti-sèche. Vidéo 4K, par contre, quand on met en 4K, ça crope un petit peu dans l'image. C'est comme ça, on peut pas faire autrement. Il y a un écran orientable, ce qui fait que là actuellement Seb peut regarder le retour et comme ça moi je suis pas tenté de tout le temps regarder comme ça à côté dans l'écran et c'est assez bien. Et c'est pour ça d'ailleurs que Casey Neistat, le vlogueur américain, bah, il porte des lunettes noires. Enfin c'est une des raisons parce que en fait il regarde souvent son écran et sinon on l'aurait tout le temps vu comme ça dans ses vlogs. Donc comme ça au moins on voit pas ses yeux qui dévient. Petite astuce. Et du coup mets des lunettes de soleil. Son Dolby stéréo uniquement avec le micro de l'appareil photo directement. Là, je suis avec le micro cravate, on en parlera juste après. Il y a du coup une entrée micro et un flash rétractable qui fait un petit peu à Hitler. Hein, on va pas se le cacher, le flash, la position, le bazar. Oula, c'est tendancieux, hein, mais bon. Je sais pas comment ils ont fait leur montage, Panasonic à l'époque, mais on se marre bien. Et il y a une griffe accessoire, une griffe flash, quoi, comme on l'appelle. Hein, on peut mettre un flash, un micro dessus, etc. etc. Un micro, bah, j'ai celui-là et j'en ai d'autres aussi, mais j'en parle pas forcément ici. C'est le micro Audio Technica ATR 3350. Vous voyez, il est juste là, c'est un micro cravate. Là j'enregistre actuellement avec lui. Micro cravate avec un câble de 6 mètres de long. Il est omnidirectionnel et il a une alimentation par pile. C'est une pile style pile de montre à la con, là c'est du L1154F, je crois, la référence, c'est une pile à la con, là. Alors j'en parle rapidement parce que je l'ai encore ici et je vais pouvoir du coup encore m'en servir un petit peu de temps en temps. C'est le mythique HX60 Sony que j'ai toujours, qui fonctionne toujours. Il est en vente à 90€ sur le bon coin si je ne m'abuse. Il y a une annonce eBay, l'annonce eBay elle est à 120, donc n'allez pas sur eBay. Ah, n'allez pas sur eBay. Je compte m'en débarrasser étant donné que j'ai le Lumix maintenant pour faire mes vidéos. Mais très bon compact expert pour démarrer dans la vidéo. Rapidement aussi, les ampoules, donc c'est des ampoules LED, des ampoules LED. Qu'est-ce que je fous, moi. Il y a un équivalent ici qui éclaire le fond, c'est un équivalent blablabla 60 watts. Et ici en face de moi, un équivalent 25 watts. C'est des ampoules en LED en 5000 Kelvin. Ça fait que vous avez un blanc neutre, en fait, on va dire, un blanc blanc, quoi. Blanc. C'est pas un blanc bleu, c'est pas un blanc jaune, c'est un blanc à peu près équilibré. Avec l'appareil photo réglé aussi en 5000 Kelvin, donc du coup vous avez un éclairage qui est tout à fait équilibré. En plus là ici on a fait exprès, donc j'ai une ampoule ici, donc la 25 watts qui éclaire ma gueule. Et la 60 watts qui éclaire un petit peu le fond, c'est censé me dégager du fond justement. Mais... Alors pour te dégager du fond, ce qui aurait été bien de faire, c'est avoir une lumière dans le fond derrière, ou un peu au-dessus, et qui vienne t'éclairer par-dessus, d'un côté ou l'autre. Une autre lumière derrière, ouais. Ça vient de créer en fait un flair sur tes épaules ou au niveau de ta tête,
Et là, ouais, là, tu te détaches du fond, et... mais bon, malheureusement, on n'a pas les moyens pour avoir une troisième ampoule. Trois ampoules à 4 euros, on met en faillite la maison. En trépied, j'ai le Kuhlmann Primax 370M. Alors, le M, c'est pour le monopode, parce qu'il y a aussi une fonction monopode, en fait, sur le pied qui sort, là, tu sais. On peut s'en servir comme monopode. Et la fonction trépied classique, voilà. Donc là, il est actuellement ici. C'est un très bon trépied, je suis pas emmerdé avec. Il est recouvert, il y a un petit revêtement en espèce de mousse, pour pas choper directement sur le métal, puis c'est toujours plus agréable au niveau des pieds là au-dessus. J'ai aussi un petit pied Manfrotto là qui traîne par là quelque part, enfin, un pied de table un petit peu, voilà, Manfrotto Pixie. Une GoPro Hero 5 Black, voilà, ça aussi j'en parle rapidement parce que bon, voilà, je m'en sers pas non plus extrêmement souvent, mais ça me sert dans certains blancs. Et puis voilà, des fixations, des cartes SD, des trucs, voilà, des machins pour aller avec tout ça, pour compléter. Ah, toi aussi t'as le corona. Ah, moi aussi. On attaque le PC parce que ça aussi, ça me permet de faire mes vidéos. Sans le PC, je fais rien. Il n'y a pas de chaîne YouTube, il n'y a pas de montage, il n'y a rien, il n'y a pas de vidéo. Alors au niveau du PC, c'est un PC que qu'on a monté avec Seb. C'est un PC avec qu'on a récupéré les pièces. Voilà, on les a achetées séparément et on a tout regroupé dans la tour. Donc la tour, donc toi oui, tu as noté les. Parce que j'ai pris sa fiche aussi, il a tout daté dessus, hein, c'est bien. Donc le boîtier, c'est un boîtier qui doit encore exister aujourd'hui. C'est du Zalman, c'est le Zalman S2. Alors il est bien parce que il y a, c'est ce que tu disais dans ta vidéo à toi, et c'est vrai que c'est vrai, on s'en rend compte en fait, il y a beaucoup d'espace pour de la ventilation. Et c'est ça le truc, on peut mettre des ventilateurs un peu partout dans cette tour là et donc optimiser le flux d'air à l'intérieur de la tour pour refroidir selon la configuration que vous avez. Alors les caractéristiques du coup de ce PC en plus de la tour, bah on a pris une carte mère MSI B350 Gaming Plus avec un socket AM4 pour le processeur, une carte mère qui est normalement adaptée on va dire pour des configurations gaming, des configurations assez puissantes comme ça. C'est une carte mère, quoi. En fait, ça va jouer surtout sur les fréquences de RAM. Il va supporter des fréquences plus élevées de pas possible. Et des processeurs aussi qui peuvent envoyer du stuff. Au niveau du processeur, on est sur un AMD Ryzen 5 2400G. Voilà, pour la petite spécification très précise, il fait 3,6 GHz en base et on peut le booster que jusqu'à 3,9 GHz. C'est un peu les Intel, on peut les monter plus. Et ils sont pas plus rapides pour autant. Donc voilà, le processeur ça fonctionne bien. Jusque maintenant, on n'a pas trop de soucis. J'ai même envie de te dire, moi je trouve les Intel c'est de la merde. Hein. Ah, pour de vrai. Ah, attendez, vous êtes chiés, vous. Les Intel, ils vous sortent des fréquences en bois, genre 3,49 GHz et bientôt disponible en boost à 4,67 GHz. Ça n'avance pas. C'est un Renault Scénic, le processeur. Ah oui, et puis il y a 4 cœurs, enfin 4 cœurs physiques et 4 cœurs virtuels. Ça fait qu'au total, on a 8 cœurs en fait. Mais il y a 4 cœurs virtuels. Bizarre, mais bon. Au niveau de la carte graphique, j'ai une carte graphique séparée, c'est une carte graphique MSI Radeon RX 480, elle fait 8 Go, elle a 8 Go de mémoire en GDDR5, ouais c'est ça, GDDR5, ouais, c'est dur à dire. Alors avec 8 Go, autant vous dire que les derniers jeux fonctionnent très bien, il n'y a pas de souci là-dessus, on peut pousser en ultra, alors ça chauffe. Et ça fait du bruit, c'est un défaut de cette carte graphique, c'est que quand les ventilateurs accélèrent pour refroidir la carte graphique, au bout d'un moment, ça fait vibrer la carte graphique, la carte mère, le PC en général, et ça fait du bruit. Donc ça c'est un défaut de construction malheureusement. Pour avoir internet, d'ici j'ai pas tiré un câble filaire de en bas jusque là, ce serait débile. J'ai une carte wifi, mais alors c'est de la merde, excusez-moi, c'est de la merde, c'est à chier. C'est une Asus PCE AC51. Si vous pouvez acheter autre chose, mais fuyez, allez-vous-en, c'est de la pure merde. Autant Asus à l'époque faisait des PC qui tenaient encore à peu près la route, hein. Mais leurs cartes wifi, je suis désolé, si elles sont tous comme ça, mais qu'est-ce que c'est de la merde. Putain! Donc voilà, si vous pouvez prendre une autre carte wifi, faites-le et fuyez. Courez les forêts, mais faites un truc, mais voilà. Je sais pas, mais faites ce que vous voulez. Oh, sa mère! This is Corona! This is Corona, mais le. Tu peux me tenir ça deux secondes, là, s'il te plaît? Bien sûr. Bon, alors on va continuer la vidéo comme ça. Écoutez, c'est quoi? Je m'en bats les couilles. Je fais la rame comme ça. Il va se moucher à côté, je fais comme ça. 8 Go de RAM en DDR4. C'est de la value select de je sais plus qui, attends c'est marqué sur ma feuille. Là c'est une Corsair, voilà, Corsair value select 8 Go en DDR4. C'est le bordel cette vidéo. C'est génial, j'adore des vidéos comme ça, j'aime bien. Excusez-moi. Vas-y, l'opérateur lumière. Bonjour, hein, bonjour. Elle est trop près ou pas la lumière, d'après vous?
et une alimentation hein, pour alimenter tout ça en 500 watts, une VGA, voilà, certification 80+, tu l'as noté toi? Ouais, 80+, ouais. Je l'ai pas noté, mais c'est écrit. Ok, c'est écrit dessus, bon, bah, impeccable, parce que moi je l'ai pas noté non plus, donc c'est bien. Bravo, super. Voilà, le PC fonctionne très bien, il est sous Windows, et ça c'est le point noir, parce que ça plante. Moi tu me donnes un Mac, je suis heureux. Windows pour moi c'est de la merde, c'est à chier, ça plante tout le temps. Cela dit, beaucoup de trucs sont compatibles, je suis d'accord avec vous. Le casque, il t'a donné ou t'as pas donné le casque? Putain, sa mère là. Ouais, donc le casque c'est le AKG 4271 Mark II. Alors avant j'avais le K92, mais il se trouve qu'il y a un des deux côtés qui a lâché en fait. Il y a un des deux côtés qui ne fonctionne plus, je ne sais pas par quel Saint-Esprit, mais... Tu sais, c'est censé être des casques professionnels, de studio et tout, ils ont exactement le même défaut que les putains d'AirPods que t'as dans la boîte d'iPhone, wesh. C'est ça. Donc du coup, je me suis pris ce casque-là, il est pas mal, il y a des oreillettes en velours, il y a aussi une paire en Sky, en cuir. En cuir, on va dire, ça fait plus... Hein. Et puis, non, il fonctionne très bien, il y a un câble tressé et un câble droit. Moi, j'ai mis le câble tressé parce que comme ça, c'est pas le câble droit qui va traîner partout, machin. C'est assez bien. Fonctionne bien. Le casque, jusque maintenant, pas de soucis, mon frère, tout va bien. On détaille la GoPro. Oh, j'en ai parlé vite fait tout à l'heure. Oh, si, allez. Une GoPro Hero 5 Black avec de la stabilisation électronique, hein, forcément, pour stabiliser l'image. Tu peux pas avoir un stabilisateur optique là-dedans, c'est trop petit. De la vidéo Full HD jusqu'à 120 FPS hein, pour faire des vidéos en ralenti. Il y a la cage de protection tout autour avec une fixation en 3/8 de pouce, c'est ça je crois, hein, pour mettre sur les trépieds. J'ai les ventouses avec, etc., des fixations 3M, ça marche bien, ça marche bien. Juste le problème classique des GoPro, c'est l'audio. L'audio, c'est à chier, t'es tout le temps obligé d'avoir un microphone externe, donc voilà. Alors au niveau du téléphone, ben c'est le bon vieux, le légendaire et le mythique iPhone XR noir 64 Go, que j'avais fait une vidéo à l'époque quand je l'avais eu en remplacement de mon iPhone 6 plus, je vais y arriver. C'est Apple, il n'y a pas de surprise, ça fonctionne très bien, tout est très bien optimisé, il n'y a pas trop de bugs. Ça arrive parfois que les applications plantent, en fait quand tu l'ouvres ça fait écran noir ou écran blanc, elles se shut down direct. Bon, tu rouvres, ça marche. Bon, ça arrive un coup de temps en temps, mais c'est pas comme Windows. Donc le téléphone en lui-même, voilà, 64 Go, couleur noire brillant, il est très cool, il est très bien. Et en plus de ça, le gros aussi de ça, j'ai des coques, dont une coque Rhino Shield mode NX, couleur bleue en fait, avec des boutons rouges, et un dos personnalisé avec le petit drapeau français. À l'époque, je m'étais tapé un délire. Et d'autres, un autre petit accessoire qui fait que voilà, si j'enlève le dos, je peux quand même faire la combinaison bleu, blanc, rouge avec toute la coque. C'est un délire. On sent le gars qui est au chômage, il se tape des délires avec sa code iPhone. J'en peux plus. Help me. Elle aussi, elle fait partie de mon setup. Je la considère comme étant dans mon setup. C'est ma voiture. Bah ouais, c'est ma voiture parce que je l'aime bien aussi. Donc c'est la Renault Mégane 2 Phase 2. Elle est de juin 2008. Alors pour les petites caractéristiques, comme ça vous savez, bah oui, bah ça fait marrer. Bah oui, comme ça vous savez. Le mec il expose sa richesse. Dans mon setup j'ai une voiture. Non, ouais, mais... c'est une Lancia T6 que j'ai acheté 800 euros, ouais. Donc une Mégane 2 phase 2 en Elite 5 DCI 105. Oui, les moteurs diesel DCI chez Renault c'est de la merde, ils ont essayé de les améliorer. Donc écoute, moi pour l'instant je suis pas emmerdé, on verra. Il y a peut-être des numéros fétiches qui cassaient des turbos ou je sais pas quoi. Ça, il faut pas conduire comme des sangouins. Ça c'est pareil, c'est un autre débat, hein, ne tentez pas, ne faites pas ça s'il vous plaît, merci. Donc là, ce jour elle a environ 145 000 km, voilà, c'était une série limitée à l'époque, c'était la série limitée exception, en fait c'était la fin de carrière de la Mégane 2, donc ils ont fait une série limitée basée sur la finition dynamique, avec quelques trucs en plus du coup, et ça a donné la finition en série limitée exception, voilà. Ne me demandez pas plus de détails, ça vous pouvez aller voir sur internet, hein. Il y a des petits docs là-dessus. Ça marche bien, c'est de la bonne caisse, ça marche bien, on peut faire un peu tout type de route, hein. Même de l'autoroute, ça tient bien. C'est bien. En fait, c'est ni trop ni pas assez, c'est même à l'aise, quoi, tu vois, au niveau de la puissance, ça va. Alors, pour sonoriser un petit peu, quand j'en ai besoin, pour différentes occasions, quand j'ai envie de me mettre un peu de musique au calme, ou alors si j'ai un peu de sonorisation, enfin bon, bref, à faire, j'ai une enceinte, j'étais en train de réfléchir à est-ce que je la garde au final ou pas, parce que l'utilité que j'en ai, clairement, je m'en sers 4 fois par an, et voilà. Donc, c'est la Marshall Acton 2 version Bluetooth. Alors, celle-là, elle n'a pas l'assistant Google, je crois, qui a été intégré dans ces
ces enceintes là moi j'ai pas l'assistant vocal, j'ai la connexion Bluetooth, une connexion jack et l'enceinte en elle-même. Donc c'est une enceinte fière, elle dispose d'un woofer, donc un caisson de basse mais il est intégré quoi, enfin c'est un haut-parleur de grave qui fait 30 watts et deux tweeters, donc pour les médiums et les aigus, qui font tous les deux 15 watts. Donc elle est de couleur noire, tu sais il y a différents modèles qui existent, noir blanc et un marron, un peu marron chêne bizarre, tu sais comme les fenêtres en PVC qu'on voit souvent. Ok, tout ça c'est cool, mais de temps en temps je joue aussi sur mon PC, je joue à des jeux de simulation, voilà, hein, chacun ses goûts. Et pour ça c'est le feu de jouer à Euro Truck Simulator avec un Logitech G27. Ah là là, putain c'est génial. Donc Logitech G27, composé donc du volant en lui-même, hein, qui tourne à 900 degrés au total. Donc le volant avec au total, il y a 18 boutons, plus les deux palettes en aluminium sur le côté, plus le pédalier, trois pédales qui elles aussi sont en aluminium. Trop d'alu, tu l'as lu. Donc le volant, le pédalier et aussi le shifter, 6 vitesses plus une marche arrière et puis tous les boutons qu'il y a dessus. Alors il fonctionne très bien, alors d'aujourd'hui j'ai pas de soucis, le revêtement du volant il est en cuir, le pommeau de vitesse il est aussi en cuir. J'ai pas de soucis, aujourd'hui dans le même style il y a le G29, toujours de chez Logitech qui existe, c'est une version améliorée, hein, toujours. En gros c'est le même délire, sauf que c'est sorti il y a... peut-être presque 10 ans maintenant, le temps passe vite, c'est incroyable. Mais là, j'ai pas de soucis, ça fonctionne bien. Et on va terminer bah, avec le Saint-Dessin, bien sûr, un petit MacBook de mi-2010, c'est ça? Je dis pas de conneries. Les MacBooks en polycarbonate blanc avec les bords arrondis, vous savez, sur le côté. Voilà. MacBook donc avec 8Go de RAM, il a un SSD 250Go, c'est un SSD Intel, voilà. Ça marche bien. Encore aujourd'hui, ce MacBook-là fonctionne, hein, j'ai pas de soucis. De trucs etc. Alors il prend plus les mises à jour parce que le modèle est plus supporté par Apple, mais c'est du Mac, ça fonctionne. C'est les versions où il y avait encore le Super Drive, le lecteur CD DVD. Malheureusement il déconne, hein, quand je mets un style manche disque, tu sais, un peu comme les autoradios, quand je mets un CD dedans il me le recrache, il le lit pas en fait, c'est pas, il y en a un problème. J'ai tout le temps pensé à remplacer ce truc là mais la pièce elle vaut c'est hors de prix. Et en plus, souvent, on trouve pour des MacBook Pro de cette époque-là, mais les MacBook classiques, je sais pas si c'est le même modèle. J'ai pas encore pris assez de renseignements pour ça. Voilà, messieurs, dames, c'est à peu près tout ce que j'avais dans mon setup. Hein. J'oublie forcément des choses. Hein. Il y a un micro Carrefour à 2€ qui fonctionne du feu de Dieu. Qu'est-ce que j'ai encore oublié? Moi, je sais pas. Moi, il y a plein de trucs. Là. Les ventouses, plus précisément, je les ai pas données dans le setup. J'ai une télé ici que j'avais acheté quand j'étais dans mon appartement. Aujourd'hui, j'y suis plus. Mais voilà, il y a des choses forcément que je n'ai pas détaillées, mais vous comprendrez que sinon, on en a jusqu'à demain matin. Bref, c'est tout pour cette vidéo setup de l'année 2020. Comme ça, tu sais à peu près tout ce que j'ai. On en fera une l'année prochaine si je suis encore là. C'était Rémi, merci d'avoir suivi la vidéo. N'oublie pas les réseaux sociaux de la chaîne, juste là, @CRémiOfficiel sur Facebook et CRémiOfficiel tout simplement sur Instagram. Les liens sont dans la description. N'oublie pas aussi pour la série Carrette, il y a les réseaux sociaux aussi que voici, carretteabonné@gmail.com aussi, l'adresse incroyable pour m'envoyer, si tu veux, un mail pour passer sur la chaîne, sauf que ça n'arrive jamais. Donc tout est dans la description, ça y a pas de souci avec ça. Je vais pas m'emmerder à mettre toutes les références de mes produits que j'ai dans la description parce que tu vois un petit peu. Je sais pas si ça y est, c'est que j'ai eu le courage. Si ça y est pas, c'est que j'ai pas eu le courage. Mais comme ça, si vous voulez une référence, vous pouvez me le demander en commentaire. Hein. Rapidement avant de terminer, j'ai pas détaillé non plus l'écran. C'était un Philips. Vas-y, raconte, c'est quoi? Voilà, c'est un écran Philips 243 V5 LHSB. Voilà, Full HD, 1080p. 24,3 pouces, Full HD, 1 milliseconde de temps de réponse. Voilà, j'avais pas la référence sous les yeux, puis j'ai jeté les feuilles. Donc, ah, il y a du soleil dehors. Ah, il y a du soleil. C'est un soleil ou l'avion? Ah non, pardon, excusez-moi, c'est un avion. Ah, ouais. Ah, fait chier. L'avion en plein phare. C'est ça le nord. Voilà, allez, bah écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo setup. Et puis on se retrouve l'année prochaine pour la vidéo setup. D'ici là, allez vous faire enculer, il y aura pas d'autres vidéos. J'ai quand même, c'est pas vrai. Vu le temps que je mets à monter les vidéos, ça peut être vrai des fois. Hein. Ah ouais, le mec, il est 6 mois à sortir une vidéo. Faut arrêter. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo, bien sûr, avec toujours plus de fun. C'est toujours bien de tourner à plusieurs parce que du coup, t'en as toujours un qui sort une connerie. Voilà, allez, peace out. Ciao, ciao. Ça veut rien dire ce que je vais dire. On est d'accord? Au revoir. T'as capté la ref ou pas?